Tu as demandé donc à Mme Anne Ricard de venir présenter ses travaux, bah, qui sont justement un dérivé, une application concrète de ce qui vient de nous être présenté. Donc là, travaux de morphométrie 3D hein, sur l'héritabilité et la performance en CSO. Hein, travaux qui sont conduits dans le cadre du programme SOGEN qui associe toute la filière, l'INRA et l'IFCE dans ces domaines-là. Je vous passe la parole pour 15 minutes. Donc je vais vous parler de morphométrie. D'hérédité et de performance. Et dès la première diapositive, on peut voir que ça a impliqué beaucoup de monde parce que pour réaliser un tel projet, il faut des gens qui encadrent, qui organisent, qui structurent l'ensemble, qui organisent le phénotypage de terrain. Et donc, il faut sur le terrain des gens qui mesurent les chevaux, des chevaux qui ont une grande valeur sportive, donc des gens très compétents pour, à qui on a confié ces chevaux de grande valeur sportive. Il faut des gens pour faire les logiciels pour extraire les données de morphologie à partir des films et des mesures faites sur le terrain. Et puis après, il faut faire des analyses statistiques pour relier tout ça à la génétique. Et il faut financer tout ça avec pas mal de financeurs, l'INRA, l'IFCE, le fonds Éperon et l'école vétérinaire d'Alfort. Donc un travail collectif important. Alors en fait, ces résultats, ils font partie d'un projet qui était plus vaste, qui s'appelle le projet SOGEN, dans lequel on cherchait à mesurer finement, c'est le phénotypage fin dont vient de parler Étienne, les allures et la morphologie des chevaux de sport, afin, à terme, de proposer une évaluation génétique pour ces chevaux de sport sur ces caractères, la morphologie et les allures, en complément de ce qui est publié aujourd'hui et qui est la seule chose accessible au niveau évaluation génétique, qui est l'indice de compétition, les BSO, les BDR pour le dressage et les BCC pour le concours complet. Pour pouvoir arriver à cet objectif, il fallait utiliser la génomique, car comme vient de le dire Étienne, ça tombe bien, on peut démultiplier un lot phénotypé finement, un petit lot phénotypé finement, pour faire des évaluations génétiques sur un grand nombre de chevaux, à condition d'avoir l'aide de la génomique. Et bien sûr, même si l'objectif final était uniquement de donner des outils pour les allures et pour la morphologie, enfin l'objectif principal était de donner des outils pour les allures et pour la morphologie, ça n'empêche pas de regarder quand même s'il y a des relations entre ces allures, cette morphologie et puis la performance en compétition sous obstacle, même si ce n'était pas l'objectif premier du projet. Alors comment est-ce qu'on a procédé ? Sur le terrain, eh bien, on a besoin de 4 caméras, une qui va filmer le cheval de face, l'autre de dos, et puis 2 caméras de profil un petit peu de biais, et le cheval, lui, il marche de façon naturelle, on va dire au pas, sur quelques mètres, sur une distance tout droit. Donc on a nos 4 caméras, qui ont été, qui sont à des endroits fixes, qui ont été calibrées avec une structure de calibrage pour pouvoir en déduire des mesures précises. Et ensuite, un logiciel qui permet de déduire la position anatomique des points sur le cheval, des coordonnées dans l'espace, donc en 3 dimensions, grâce aux 4 caméras qui donc sont synchronisées, et donc qui filment le cheval de façon synchrone. Ça permet d'en déduire la position d'un point dans l'espace et pas uniquement la projection, comme on peut le voir là sur une photographie qui est en 2 dimensions, la projection de profil ou la projection de dos ou de face. Manuellement, un opérateur à gauche sur le massif antérieur et à droite sur le massif postérieur, manuellement, l'opérateur place les points de référence sur des points anatomiques très précis. Donc, à l'issue de toutes ces vidéos, on va pouvoir extraire la morphologie du cheval. Donc, on a fait ça sur un échantillon de chevaux qui étaient âgés de 4 et 5 ans. On a fait ça dans le cadre du projet SOGEN sur un peu plus de 1300 chevaux. Et puis, on avait déjà mesuré des chevaux avec la même technologie il y a maintenant plus de 15 ans. Et donc on a rajouté ces chevaux qui avaient été mesurés il y a 15 ans à l'ensemble de notre effectif. Donc finalement on se retrouve avec plus de 2000 chevaux mesurés selon cette technologie. Des chevaux qui sont à la fois mâles et femelles, il y a un bon équilibre entre les deux sexes, qui sont principalement et même presque exclusivement des selles français, avec un petit peu de selles étrangers et d'anglo-arabes.
Ces chevaux ont été mesurés à l'occasion de 24 jours de concours. Et ils sont issus de presque 600 paires. Donc, on a entre 3 et 4 produits par paire en moyenne. On a quand même 50 paires qui ont au moins 10 produits, donc sur lesquels on va pouvoir avoir un peu des résultats concrets. Donc, de quoi faire de la génétique, hein, 53 paires avec 10 produits. Et puis, on a aussi, finalement, des couples paires-produits qui ont été mesurés, puisque, finalement, dans les années 2000, on avait aussi mesuré des étalons et des chevaux qui sont devenus étalons. Et donc, en fait, on a plus de 400 couples paires-produits qui ont été mesurés selon la même technique. Pour faire les études génétiques, on remonte la généalogie de ces chevaux-là, et donc au bout du compte, on a environ 18 000 chevaux qui sont intégrés dans l'ensemble de l'analyse pour faire les études génétiques. Côté relation avec la compétition, on ne va pas se contenter uniquement de prendre les performances en compétition de ces 2 000 chevaux. Parce que ce qu'on cherche à atteindre, ce n'est pas la relation visible entre la morphologie et la performance, donc ce qu'on appellerait nous la corrélation phénotypique entre la morphologie et la performance du cheval lui-même, mais c'est la corrélation génétique. Donc c'est savoir si intrinsèquement le caractère morphologique est lié au caractère de compétition. Intrinsèquement, ça veut dire qu'en fait, des étalons qui vont produire des chevaux avec telle morphologie, est-ce qu'ils produisent aussi des chevaux qui sont bons ou mauvais en compétition ? Même si au niveau environnement, le cheval il n'a pas bien mangé, donc il n'a pas bien grandi, et donc finalement la relation visible elle peut changer. Mais intrinsèquement, est-ce que l'étalon, lui, il produit des chevaux de telle morphologie qui font des chevaux qui sont bons ou mauvais en compétition? Donc comment on veut atteindre cette relation génétique et non pas uniquement une relation visible phénotypique, on n'a pas pris uniquement les performances des 2000 chevaux, mais on a pris les performances de tous les chevaux qui sont sortis en compétition nés depuis 1997. Donc plus de 160 000 chevaux avec 600 000 performances annuelles et plus de 300 000 chevaux apparentés à ces 160 000 chevaux performeurs. Donc une somme de données considérable, et donc là c'est le pendant entre un petit lot de 2000 chevaux phénotypiqués finement et notre phénotypage de masse comme l'a montré Étienne, et c'est en reliant les deux qu'on va pouvoir calculer notre corrélation génétique. Alors comment est-ce qu'on analyse nos morphologies? Donc on a nos points qui ont été positionnés sur le massif antérieur, nos points qui ont été positionnés sur le massif postérieur, et ça on va les réunir en une seule image, qui est un peu une image fictive, parce que je ne sais pas si vous avez bien vu les images au début, mais les points positionnés sur le massif antérieur, ils l'étaient quand le cheval marchant au pas a le canon qui est vertical, le canon antérieur qui est vertical. Et pour les postérieurs, c'est la même chose, sauf que c'est le canon postérieur qui est vertical. Et évidemment, cette image-là, ce n'est pas la même pour l'antérieur et les postérieurs. Il n'a pas les deux membres verticaux quand ils marchent au pas. On avait choisi cette technique de marcher au pas parce que c'est beaucoup plus rapide à mesurer que d'avoir un cheval qu'il faut tenir au tableau, qui bouge. Donc, on réunit ces deux images antérieures et postérieures en une seule image. Et puis, on a filmé qu'un côté, le côté droit du cheval, et puis évidemment on va faire un miroir, on va supposer qu'il est symétrique, et donc en fait on va faire un cheval complet avec gauche-droite, devant-derrière. On a fixé l'angle de l'encolure à une constante, parce que quand il marche au pas, le cheval, selon l'image qu'on va avoir, forcément son encolure elle va être haute, elle va être basse. C'était extrêmement variable et peu représentatif de sa morphologie. Ce qu'on voulait mesurer, c'est pas la façon dont il marche au pas, mais la façon dont il est constitué. Donc on a fixé cet angle à une valeur fixe, et donc il ne sera pas pertinent ensuite pour différencier les chevaux puisqu'elle est fixée. Et donc au bout du compte, on a 43 points anatomiques qui ont été posés sur le cheval, avec 3 coordonnées dans l'espace, devant, derrière, gauche, droite, latérale, et puis en verticale. Et donc au bout du compte, on se retrouve avec 129 variables par cheval. Et donc là, c'est notre petit cheval avec les petits points anatomiques et la même chose donc de l'autre côté, à gauche et à droite. À partir de là, il y a plein de choses qu'on aurait pu imaginer faire. On peut mesurer la taille au garrot, on peut mesurer les longueurs de segments divers et variés, on peut faire des rapports entre les différents segments, les rapports entre la longueur et la hauteur, entre tous les segments imaginables, entre tous les 49 points. On peut faire des angles. Quel est l'angle de la croupe, quel est l'angle du jarret, enfin,
avec 43 points et 3 coordonnées, on peut imaginer très rapidement, sans faire d'effort, des milliers de variables qui sont représentatives de la morphologie du cheval. Et ça, forcément, ben, des milliers de variables, ça allait être un petit peu compliqué. Alors, bien sûr, bon, ça, on corrige pour des différences dues à l'âge, au sexe, au concours, à la façon dont on a dépouillé, à l'image de référence. Mais au bout du compte, on ne va pas utiliser ces milliers de variables. Les gens qui ont travaillé sur la morphologie, notamment en évolution, ont résolu un peu le problème de façon plus simple que d'utiliser des tas de variables qui décrivent la morphologie. Ils font ce qu'on appelle une analyse procruste. Déjà, ils commencent par standardiser toutes les mesures à une taille, un format global qui est identique. Parce que forcément, un des plus grands facteurs de variation de toutes ces mesures, c'est le chevalier est grand, il est petit, et donc en fait, tout va varier en fonction de sa taille. Donc on fixe tout déjà à un format global qui est standard. Le format global, c'est la distance de tous les points au centre de gravité, et donc celui-là, on le standardise à 1. Et puis après, on ajuste un peu tous les points de façon à ce qu'il ne reste vraiment que des différences de morphologie entre les chevaux et non pas des différences de positionnement d'image les unes par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle l'analyse procruste. Et ensuite, une fois qu'on a un petit peu donc résumé et supprimé l'effet de la taille, on fait une analyse en composantes principales. Donc de ces 129 variables, on va extraire quelques composantes principales qui vont montrer comment interagissent toutes les points morphologiques entre eux pour déterminer des morphotypes caractéristiques du cheval sans finalement découper le cheval en différentes mesures. Et donc c'est ce qu'on va voir sur cette diapositive de résultats. Donc on imagine donc notre cheval, le cheval standard, c'est celui qui est au milieu. Et là, il est vu de profil. Mais il faut bien imaginer que les calculs, ils n'ont pas été faits uniquement de profil. Ils utilisent les positions des points dans les trois dimensions, tous en même temps. Donc notre cheval standard vu de profil, on le représente avec donc, les différents points, avec le petit dessin que j'ai reporté là-haut, les différents points anatomiques. Et ça, c'est la valeur moyenne de l'ensemble de notre population des 2000 chevaux mesurés. Et puis, le premier cheval extrême, qui est à droite, c'est celui qui va être, on va le représenter donc, avec cette grille qui est un petit peu déformée, qui essaie de rapprocher les points qui, pour ce premier extrême, sont plus près que dans le format standard ou qui sont plus éloignés que dans le format standard. Donc un peu comme dans les jeux vidéo où on a des grilles qui donnent les volumes en fonction des repères anatomiques. Et donc en fait, la première chose qui différencie génétiquement les chevaux au niveau de la morphologie, c'est qu'on a d'un côté des chevaux qui sont plutôt plus hauts que longs, avec une épaule qui, vue de profil, est plutôt droite, des jarrets plutôt droits, et qui est plutôt fait en descendant. Et puis, à l'autre extrême, on a plutôt des chevaux qui sont plus longs que hauts, qui ont une épaule vue de profil qui est plutôt inclinée, avec des jarrets coudés et qui sont plutôt faits en montant. Et ça, c'est la première différenciation entre les chevaux. Alors, on a 10 composantes principales, 10 morphotypes. On peut les voir de profil, on peut les voir de face. Là, c'est l'exemple du deuxième morphotype où la principale différence, c'est qu'il a les postérieurs écartés ou il a les postérieurs serrés. Et puis, tous les morphotypes qu'on peut imaginer. L'héritabilité de tout ça, le format global, hein, celui donc, qui nous permet de standardiser les effets de la taille, l'héritabilité de 0,18, qui est inférieure à ce qu'on obtient normalement sur la taille au garrot. Et puis les irritabilités des différents morphotypes que je viens de vous présenter, elle est relativement modérée de 0,06 à 0,25. On a un sel français qui est assez standard finalement, et donc en fait pas des fortes irritabilités de différences morphologiques. Quels sont les morphotypes favorables au CSO? Eh bien, on n'a trouvé aucune corrélation entre les différents morphotypes et puis la performance en CSO. On n'a aucune corrélation vraiment significative. La seule que je peux vous présenter, c'est celle avec une corrélation de 0,05, alors autant dire que c'est quand même pas grand chose, avec la performance en CSO, et donc en fait ça représente des chevaux qui sont plutôt larges d'épaule, quelle que soit la position des antérieurs, mais qui sont larges d'épaule. Au niveau génétique, est-ce qu'on a
quand même, parce que là c'était phénotypique, au niveau génétique, est-ce qu'on a des relations entre ces morphotypes et la performance? Ben, on a une relation avec le format global, 0,28, donc plus ils sont développés de façon générale, hein, pas uniquement la taille au garrot, et mieux ça marche. Mais on a quasiment pareil, pas de relation entre aucun des morphotypes et la performance en CSO. Celui qui est le plus notable, donc qui a une corrélation de 0,08, mais qui est non significativement différente de 0, vu l'écart type d'estimation, c'est d'avoir une sortie d'encolure plutôt haute et être plutôt aussi large aux épaules. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que nos morphotypes, bon, c'est un petit peu difficile au début de se mettre dans ces grilles un petit peu complexes, mais finalement on a commencé un travail avec les juges de modèles et allures du CELF français pour essayer de mieux décrire finalement ce que donnent ces grilles de morphotypes. Et je pense que c'est un outil synthétique puisque ça prend en compte toutes les relations entre toutes les mesures dans les trois dimensions qu'il faut approfondir et qui sera certainement assez précieux à vulgariser. Parce que ça ne dit pas bah, il y a l'épaule droite, mais tout le reste, on ne sait pas. Ça dit bah, quand on a l'épaule droite, on est aussi plutôt comme ci, comme ça, et donc tout interagit ensemble. L'héritabilité demeure modeste, et je crois que c'est tout simplement parce que notre population de sel français a été sélectionnée quand même dans un objectif qui était assez clair, la performance en compétition. Et finalement, on a abouti à un morphotype qui n'est pas très homogène, parce que c'est quand même issu de croisements, mais finalement qui est plus homogène sans doute qu'on l'imagine, en tout cas plus homogène que si on prenait plein de races différentes qui font plein de choses différentes. Il n'y a pas de corrélation nette entre morphologie et performance en compétition de saut d'obstacle. Ça, on peut dire, bah, c'est triste, moi je pensais que ceux qui étaient faits comme ci, comme ça, ils étaient meilleurs, mais on peut dire aussi c'est heureux, parce que comme ça, finalement, un cavalier qui est plus adapté, qui préfère monter des chevaux d'un morphotype particulier, eh ben, ça ne le handicape pas pour réussir en compétition, et finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il nous reste la génomique qu'il va falloir mettre sur tous ces résultats. Je vous laisse la parole. Bonjour, donc Romain Lier pour Sciences Équines. Je voulais revenir sur les points anatomiques. Donc, je pense que ça a été le cas vu l'étude que vous avez faite, mais qui les a mesurés, sur quelle référence, et est-ce qu'il y a est-ce qu'on a vu des critères interreproductibles entre les différents de mesure, enfin, si plusieurs personnes les ont mesurés? Alors, en fait, les repères anatomiques, ils ont été définis par Nathalie Crevet-Denoy, donc qui est professeure à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, en fonction des principales articulations, principalement. Et puis après, il y a quand même le garrot, le creux du dos, qui est le point le plus creux derrière le garrot. Et sinon, c'est beaucoup des repères d'articulation et des repères en fonction de l'anatomie du squelette en dessous. C'est comme ça qu'ils ont été définis par le professeur Nathalie Crevet-Denoy. Ça veut dire quoi interreproductible? Différents chercheurs les ont mesurés? Alors ça a été, il y a déjà 15 ans, on avait déjà fait plusieurs manipulateurs, un même cheval, dans tous les sens, pour pouvoir être sûr de la répétabilité de la mesure, quel que soit l'opérateur et quel que soit. Et nous, on l'a refait sur notre échantillon, sur un sous-échantillon qui a été mesuré par plusieurs manipulateurs. Et honnêtement, on a quand même des très bonnes. Alors, là, c'est pas un, mais on a des très bonnes reproductibilités entre les différents opérateurs. Et l'effet de l'opérateur qui est pris en compte dans le modèle, en fait, est assez faible. Agnès Olivier pour le groupe Voltaire, est-ce que vous avez des précisions sur le dos du cheval? Enfin, vous avez mis un indicateur, est-ce que vous n'avez pas mis d'autres de plus précises, qu'on dit souvent en montant, en descendant, mais la définition elle n'est pas très précise? Et puis est-ce que dans les types de garrot, parce qu'on voit chez l'humain les différents types de formes de dos dans les morphotypes, et ça fait partie du morphotype pour moi le dos, est-ce que vous auriez des précisions sur les dos? Alors sur le dos, en fait, si vous avez regardé, il n'y a que trois points, hein. Il y a le haut du garrot, le creux du dos et le haut de la croupe. Ce que donnent les morphotypes, c'est justement les déformations des grilles. Après, comme moi j'ai dit, en montant, en descendant, c'était uniquement le fait qu'effectivement, le haut de la croupe par rapport au haut du garrot. Mais après, c'est des terminologies qu'à mon avis, il faut adapter. Maintenant, on n'a que trois points sur le haut du dos, ça c'est sûr.
Guillemot, maintenant qu'on a ces travaux, comment évolue l'esprit des concours modèles et allures? Et là, c'est peut-être M. Chen qui pourrait répondre dans les studbooks avec ces nouvelles données. Là, on est à la phase du résultat. Et comme le disait Anne Ricard, c'est justement le travail qui se fait avec les juges. Et comment ça se fait avec les juges? C'est pour voir comment concrètement, déjà, on le traduit à l'élevage. Et puis après, effectivement, est-ce qu'il va falloir tout mesurer de la même manière ou pas? Est-ce qu'il y a des critères? Les critères même sont pour le moment parmi en cause. Mais peut-être qu'aujourd'hui, la manière dont on décrit nos chevaux en 9... nous, aujourd'hui, on a 9 cas. Il faudra peut-être le faire différemment. C'est surtout, ce qui est intéressant, c'est les relations qui vont avoir lieu entre l'analyse un peu en tranche qu'on faisait. Et pour si je peux me permettre, juste pour poursuivre, c'était juste revenir sur cette notion de format global. Parce que qui me semble quand même... C'est une donnée sur laquelle il y a des données qui ressortent. Et alors, ce critère de 0,28, par contre, j'aimerais bien avoir une précision. C'est une irritabilité ou c'est pas le lien à la performance? C'est quand vous retrouvez le format global. Moi, j'avais noté que le format global avait une corrélation de 0,28, mais c'était avec la performance. Mais j'ai dû me tromper. Oui, c'est avec la 0,28, c'est avec la performance. C'est la corrélation génétique avec entre le format global et la performance. Ah oui, donc ça, c'est quand même positif. Donc ma question, c'est comment on pourrait valoriser, pour rejoindre justement votre question, ce point-là de format global? Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait qu'on retienne et qu'on trouve une méthode de... Alors peut-être avec justement cet aspect phénotype H1 plus génomique pour pouvoir l'utiliser pratiquement, quoi. Avec nos concours. Donc, je ne sais pas comment, à votre avis, aller capitaliser ce point de format global qui est quand même... Surtout que c'est un peu différent de la taille, parce que la taille, on a aussi une corrélation, la taille au garrot, on a aussi une corrélation génétique avec la performance, mais qui est plus faible. Par contre, c'est plus héritable, la taille au garrot, que le format global. Donc, finalement, est-ce que le côté épaule large et tout ça, qui rentre, lui, dans le format global, qui ne rentre pas dans la taille au garrot, n'est pas plus pertinent pour la performance, même s'il est moins héritable? Il y a des choses à réfléchir. Donc l'autre piste, ça serait de voir quelle population, comment arriver à caractériser ou à mesurer ce format global à la limite par cheval, puisque là, on a trouvé une irritabilité positive avec la performance. Après que la morphologie soit pas liée au CSO, d'un autre côté, sur un terrain de concours, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu autre que la morphologie. C'est pas non plus. Enfin, tout le monde espère un peu avoir une martingale pour retrouver, d'après la tête du cheval, ce qu'il va faire. Mais au bout du compte, quand on les monte, on se rend bien compte que tellement de choses jouent entre le mental, le côté physiologique sportif, le côté. Que c'est pas très étonnant non plus. Il y a un côté à la fois on aimerait bien, puis à la fois, non. Si on réfléchit bien, c'est pas possible de trouver une corrélation très forte entre. Mais ça n'empêche pas de vouloir pour chaque cavalier ou pour chaque utilisation avoir un morphotype qui correspond le mieux à sa propre équitation. Et dernier petit point, il y a d'autres critères également. Donc il y a la performance qui est notre base, notre critère de base. Mais par exemple, on a vu aussi que toutes les notions de chic, de sortie d'encolure, etc., ça c'est rétable. Donc ça c'est aussi intéressant à relever et à prendre en base de données dans les indices. Merci. Merci beaucoup à Anne pour ses travaux. Et toutes les équipes de terrain qui ont participé.